Hello tout le monde, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, je suis vraiment désolée. Du coup, je vais vous montrer aujourd'hui un big unboxing que j'ai fait. Donc pendant le confinement, j'ai reçu plein d'articles. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Je vais découvrir tout ça tout de suite. Du coup, dans ce unboxing, je vais commencer par le colis Kramer. Donc, c'est un assez gros carton. Donc, il y en a deux à la base, mais là, j'en ai monté qu'un parce que le deuxième était vraiment lourd, plus de 10 kg. Du coup, je vous expliquerai ce qu'il y avait dedans. Donc, commençons par celui-là. Alors, en premier, j'ai commandé des élastiques, donc pour faire des pions. Donc, ils sont comme ceci. Voilà, c'est des élastiques blancs tout simples. Étant donné que j'en avais plus et que je me suis dit que bientôt je ferai des pions à Boléro. Donc. Ensuite j'ai pris donc une pince à chic, elle est verte comme ça, je vous montre un peu plus près. Donc toute simple, il faut appuyer sur le bouton, prendre la chic à l'intérieur là dans le blanc et refermer et après tourner et la chic s'enlève toute seule. Donc j'ai pas encore testé mais dès que je testerai je mettrai mon avis sur Instagram. Après donc chez Kramer j'ai pris un équiping, donc c'est une attache en fait sécurisante qu'on met à la barre d'attache pour mettre la longe de son licol ici pour éviter que le cheval ne casse le licol en tirant au renard, voilà donc c'est ce qui s'est passé très récemment avec Boléro, donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans à voir comment ça fonctionne, j'ai jamais essayé non plus, j'ai eu plusieurs retours, donc ça peut être plutôt cool pour éviter qu'il me casse un deuxième licol. Dans le gros carton que je vous ai dit, j'ai pris donc en fait des bonbons 100% au foin. Donc ils font exactement la même taille que ceux de Decathlon, mais je voulais des bonbons sans sucre. Du coup, je vais vous mettre l'image juste là de ceux que j'ai pris. Donc vraiment, ils adorent. Ils sont super pratiques pour le travail à pied, pour les fins de séance et tout ça. Et j'ai pris un petit licol avec une longe. Donc la longe, elle est assortie. Elle est rose, beige et grise, donc elle est trop jolie, elle a l'air de bien tenir, voilà elle est vraiment pas mal. Et assortie avec le licol, donc un licol rose comme ça, mais super beau, je l'ai pris en taille cob pour Nolita. Déjà j'ai acheté un tapis, un nouveau tapis, voilà, c'est un Kentucky Perle gris, il est trop beau, donc il est vraiment magnifique. J'étais à une copine, du coup je lui ai racheté, elle me l'a fait payer 80 €, c'est vrai que c'est un tapis que je cherchais depuis super longtemps, genre dans n'importe quelle couleur, parce que je le trouve juste sublime, mais que le prix de base est assez élevé, donc je crois qu'il coûte 120 €, voilà, mais... Donc j'ai investi dans une nouvelle bavette, mais pas n'importe laquelle. Donc c'est une bavette Eric de Tixeran. Donc elle est comme ça. Voilà, elle est vraiment trop belle. C'est une taille 135, donc elle est marron, elle ira parfaitement avec ma selle. Donc en fait elle est assez spéciale parce qu'à l'intérieur il y a une matelassure. Voilà, donc ça permet vraiment le confort du cheval, c'est technique et ergonomique en même temps, ça permet un confort notamment respiratoire, donc pour les chevaux qui craignent le sanglage. Du coup, j'ai commandé 3 colis chez Art Equestre. Donc je vais vous montrer ça de suite, c'est des choses vraiment qui étaient super utiles, puis il y avait eu plein de réductions tout ça. Et étant donné que c'est mes sponsors, je préfère commander chez eux. Donc le premier colis, voilà, bon, j'ai déjà ouvert bien sûr parce que j'ai déjà tout ouvert.
Donc je vous montre dans l'ordre. Alors, j'ai reçu un petit porte-clé à caisse qu'ils m'ont gentiment offert. Voilà, trop mignon. Donc il va finir sur mon porte-clé de voiture. Un petit sachet de bonbons HDCP au miel que je vais faire goûter au loulou. Il a l'air vraiment trop bon. Donc je les remercie. Je leur fais un gros bisou. Après, du coup, j'ai pris deux masques anti-mouches. Parce que avec l'été qui arrive et tout, les chevaux commencent à se gratter, commencent à avoir des moucherons partout, des mouches, tout ça. Et étant donné que j'en ai déjà un, donc je vais vous montrer les deux que j'ai pris. Du coup, j'ai pris un masque ultra chill. Voilà, celui-ci. Je connaissais pas du tout cette marque, mais on me l'a conseillé. Donc je vais tester. Dessus, il y a de l'absorbine. C'est un espèce de produit qui répulsif contre les insectes en fait. Voilà, donc je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Voilà, il est comme ça, donc vraiment il est super sympa, avec la tache derrière. Bon voilà, je le trouve vraiment super sympa, super souple, il s'étend bien et tout, donc je vais aller le tester au gros. Du coup, après j'ai pris un masque beaucoup plus important on va dire, donc j'ai pris un fly mask de chez Rambo, donc pareil avec le produit Veilmousse dessus, c'est le nom du masque, fly mask plus Veilmousse, en fait il y a un anti-répulsif en fait contre les insectes, et essayé à Bolero, il est exactement comme ça sur sa tête, voilà, donc moi j'adore vraiment ce masque, il est super pratique. Et en plus, ben, il est quand même assez esthétique, on va dire. Même si ça fait une tête de cosmonaute. Voilà, il est comme ceci. Donc, il est assez gros. Là devant, il y a un protège-nez. Donc, il vient bien protéger le nez qui est déscratchable. On peut l'enlever. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Et dessous, donc, il y a deux scratchs. Un qui passe dans une languette et un qui se scratch directement. Ensuite chez Arequest, encore deux colis, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris deux paires de guettes de cross. C'est les Carbon Air, c'est les nouvelles. Voilà, donc il y a des systèmes d'aération ici. Lorsque par exemple le cheval passe dans le gué, l'eau ne reste pas dans la protection. Ça c'est vraiment super. Donc voilà, je les ai pris en L pour les postérieurs et en M pour les antérieurs. Il manque plus qu'à essayer tout ça et à partir sur les terrains. Ensuite, un petit craquage que j'ai fait moi-même et que j'avais pas spécialement besoin, mais voilà, c'était l'occasion. Alors, c'est un pantalon Pénélope, point sellier noir. Voilà, bon après je dis que je n'avais pas besoin mais il me fallait un pantalon noir, donc clairement lui, le Pénélope, j'en voulais un depuis longtemps et là ça tombait parfaitement, il est trop beau, je vous montre derrière, c'est comme ceci, c'est un taille haute, j'ai trop hâte de l'essayer, je vous montrerai sur la vidéo, avec le petit logo là, franchement il est trop beau et il est avec des grippes. Deux big colis de chez mes sponsors Unique Horse, donc il y en a deux, voilà. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a petit à petit. Donc d'abord ça se présente comme ça sous forme de sachet. Alors en fait c'est les nouveaux ensembles qui ont créé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pris le bonnet avec le Unique Horse en noir. Ensuite il y a les bandes. Belles. Elles sont vraiment trop belles, j'adore. Vraiment, elles sont trop canon. Ça ira trop bien, surtout que c'est du noir, du coup ça peut passer avec quasiment tous les tapis et tout, donc c'est vraiment super pratique. Avec ça, le tapis que j'ai choisi, donc il change de couleur, c'est une couleur que je n'avais pas. Donc il est vert olive, il est vraiment magnifique. Il est satiné un petit peu.
voilà, c'est vraiment tout doux, j'adore. L'intérieur tout simple en noir. Et ce qui est super bien chez Unicor, c'est que là, il y a des petits scratchs qu'on peut enlever. Voilà. Et à la place, on peut mettre la pochette. La pochette comme ceci, qui s'ouvre pour pouvoir mettre un téléphone, des bonbons ou quoi que ce soit. Et qu'on peut venir scotcher à la place. Voilà. Trop fun. J'ai reçu un petit colis donc, de chez mes sponsors sur Instagram, mes tout premiers sponsors qui sont Celle et Strass. C'est une marque qui fait principalement des liqueurs éthologiques. Donc elle m'a fait une petite surprise. Elle m'a créé un petit liqueur éthologique couleur caramel. Il est vraiment trop mignon. Et devant, il y a écrit le nom de mon cheval. Donc il y a écrit Boléro. Il est vraiment trop joli. Montre un peu de plus près pour finir. Du coup, voilà le magnifique tapis Kentucky moutarde. Je l'ai pris en coupe seau. Voilà, donc il est juste trop beau, splendide. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Et là, clairement, voilà. Regardez-moi ça. Enfin, il est tout doux. On pourrait presque vouloir dormir avec. Tellement c'est doux, c'est trop bien. Le dernier colis que je viens d'aller récupérer avec le tapis que j'ai pris donc à la série juste à côté de chez moi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop belle! Veridius Carbon Gel, du coup, que j'ai commandé à une fille, je l'ai pris sur Vinted. Je les ai payé 50€ alors qu'elles en valent je sais pas combien de neufs. Donc, vraiment, je suis trop contente. Attendez, je vous les montre. Oh, elles sont trop belles. Elles sont en super état. Je suis choquée. Je m'attendais pas aussi propre en fait. Oh, je suis choquée. Mes petites pépites, elles sont trop belles. Voilà, j'ai enfin fini mon unboxing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous avez préféré dans ce unboxing, quel était vraiment votre favori, s'il y en avait un ou plusieurs. Je vous fais des gros bisous.